Bonjour. Donc, pour compléter toute la série de vidéos, je reprends les photos de la réception. Voilà, comme je l'ai récupéré, il venait de passer 10 ans dehors dans un jardin. 11 ans même, par rapport à la date de l'assurance. Parce qu'il y avait une assurance en bas, on le voit. Bon, je ne vais pas vous faire des discours, je vous laisse regarder. Et bon, avant de tenter toute restauration, moi, je voulais surtout savoir s'il démarrait. Donc, on verra ça plus tard. Et il y a un petit truc qui me chagrinait. Ça va pas tarder à arriver. C'est la barre de pour poser et remonter le moteur. Voilà, elle arrive. Elle était complètement cassée. Et ça, pour les essais, c'est pas top du tout. Bon, donc je disais, j'ai fait un petit démontage vite fait moteur. Juste pour voir si j'arrivais à le faire démarrer parce qu'il n'y avait pas un pet de compression. Donc j'ai regardé un peu tout. La pompe là c'est juste pour montrer, je l'avais pas touché. Je me suis surtout occupé du décompresseur. De la bougie, tout ça, bon. Du filtre à air. L'important c'est que je voulais commencer une restauration que si le moteur tournait. Et ben je suis arrivé à le faire péter un tout petit peu, mais il n'a jamais tourné. Il a fallu tout démonter. D'ailleurs, on voit encore le piston bizarroïde. C'est toujours celui-là que j'ai actuellement. Hein. Et voici la soupape de décompresseur. Ben, finalement, ça venait pas de là. Elle était bien réglée. Hein. Mais bon. Bon, puis en attendant aussi, j'ai fait quelques essais pour voir si je pouvais faire partir la rouille rapidement. Donc voilà, trempage dans de l'acide chlorhydrique à 30%, puis dans la soude pour annuler l'effet de l'acide. J'ai pris quelques pièces au hasard là pour voir ce que ça faisait. Bon, c'était pas mal. Donc après, la prochaine vidéo, la première, la deuxième maintenant, ben, ça sera la remise en route.